servir, vamos a servir, que no está muy claro. Cuatro. Rápido, muchas, rápido, rápido. Que no está muy clara, por cierto. Te aseguro que estamos correctos. No se preocupe, que no se preocupe. 6, 7, 8. Raúl, la pista. Delta 5 à la base, Delta 5 à la base. Delta 5 à la base, Delta 5 à la base. Je crois. On doit être à 3 km de l'embranchement en question. Est-ce que le patron est sur place? D'un moment à l'autre. Ok, terminé. Allez, vas-y, appuie, t'es pas en train de passer le permis. Il a été tué comment? À bout portant avec un 9 mm. C'était un inspecteur de la police locale? Oui, chef. Cortés est une véritable rétro. Voyez, et un camion a été volé aussitôt après. Sûrement par les mêmes d'ailleurs. Il se dirige vers Londres. L'hélicoptère l'a repéré à une vingtaine de kilomètres de la Halle. Et cet hélicoptère, où est-ce qu'il est? Rentré pour faire le plein. Qui est sur le coup? L'équipe Ariette et Damsay. Est-ce qu'on est en contact avec eux? Ça passe assez mal, mais on va essayer une autre fréquence. Dites-leur de se méfier de ces crapules, ils sont sûrement prêts à tout. Qu'ils donnent seulement leur direction. Allô, Charlie 5, transmettez, je vous écoute. Ils sont pas futés comme toi et moi. Ils sont des animaux. Ils ont un autre système de valeurs. Ils suppriment tout ce qui se met en travers de leur route. Que ce soit des flics, des femmes, des enfants, des vieux, ils s'en foutent. Allô, Charlie 5. Nous sommes sur la bretelle, ils ne sont pas encore là. Et voilà. $1 million de cocaïne importée de Bolivie et de Colombie, via le Mexique. Charlie 5, je vous passe le patron. Est-ce que tu connais la Colombie? Non. Ils sont des enchiladas, ça vous fait bondir par-dessus la cordillère des Andes. Alors, Damsay, vous les avez repérés? À vous. La baleine arrive droit sur nous par bâbord. Elle met le cap plein sud. Contactez le quartier général. On leur met le grappin dessus à l'entrée de Londres. Je veux tout le monde sur le pont. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Rien du tout. Vous rentrez, nous reprenons la suite. Laissez tomber, terminé. On va les suivre à distance. Vous avez compris? J'ai dit, laissez tomber. Non, mais c'est stupide. Si on les laisse filer, on les reverra jamais. C'est maintenant qu'il faut mettre le grappin dessus. Je répète, et c'est un ordre... Rentrez. Ah, je sais pas ce qui se passe, je vous entends mal, là. Il y a des parasites dans l'air, je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est une ligne à haute tension. Laissez tomber. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il dit, laissez tomber. Non, j'ai beau écartiller les oreilles, j'entends rien du tout. Appuie, t'occupe pas.
Si c'est lui qui le dit, allez-y. Oui, c'est un ordre. Oh les vaches! Dempsey, répondez-moi. Dempsey, vous êtes à l'écoute? Ici Dempsey, qui nous en soumet? Soy. A ver, hombre, ¿qué es lo que están haciendo así? No, hombre, mira por lo bajo. Que se fuera a impactar la aduana. Sí, sí, me olvidé, sí, tiene razón. Hola, rey. Mira, los cojones entre a vos también se te olvida, ¿no? Salut, sergent. Salut. Bonjour, Ariette. Bonjour. Belle matinée, hein? Et qu'est-ce que le docteur a dit? Bah, j'ai deux doigts fêlés. Non, il s'est contenté de les attacher ensemble, là, c'est pas grave. Alors, où on en est? Eh bien, ils ont balancé une centaine de kilos. Autrement dit, 10 millions de livres dans leur ruisseau. C'est toujours ça, de meilleur circuit. Il va sûrement remonter le courant. Oh, ça ne sera pas facile. Ils ont l'air très organisés, puis ils sont disposés à mettre le paquet. Il va probablement se constituer un réseau de demi-grossistes et de dealers. C'est à ce niveau-là qu'on les coincera. Hey. Et vous, Fry, comment vous sentez-vous? Ah, oh, j'avais pas signé la sortie. Eh ben, comme ça, t'auras pas signé la rentrée. Est-ce que vous l'avez dit au patron? On a oublié. Pour autant que je sache, il n'a jamais mordu personne. Ce n'est pas nécessaire. Mais oui, il lui suffit de montrer les dents. Ça ne va pas être si facile pour Cortez. Combien de temps lui faudra-t-il pour monter un réseau et se faire une place? Quand les faux ont envie de dormir et ils se couchent où, à votre avis? Mon pardon? Ils se couchent là où ils veulent. Ces types-là sont aussi des fauves. Ils sont pas comme Al Capone qui passait sa vie à l'opéra. Non, ils connaissent qu'une loi, celle de la jungle. C'est le plus fort qui survit. Eh, hey, vous regardez où vous marchez, vous? Tuer ou être tué? Sergent? Oui? Est-ce que je peux vous dire deux mots? Bien sûr. Je suppose qu'on est peut-être aussi bien ici qu'ailleurs, à moins que vous ayez encore envie d'un café. Moi, non, merci. Moi non plus, d'ailleurs. Ça me rend nerveux. Oui, vraiment. C'est vrai, oui, le café et aussi la cigarette. J'ai le cœur qui bat, plus de sang. Est-ce que tu vas bien, Fry? Oui, oui. À vrai dire, Chess, j'ai besoin d'un conseil. Je suppose que vous vous rappelez comment c'était quand vous avez débuté. Oui, oui, j'ai attendu 2 ans avant d'être nommé sergent. Bon, ce que je voulais vous demander, c'est ceci. Si une certaine pièce, administrative de peu d'importance n'a pas été signée... Comme quoi, par exemple? Eh ben, je sais pas, moi, disons par exemple... Supposons qu'un véhicule de service soit emprunté sans bon de sortie, sous certaines pressions supérieures.
Fâcheuse situation, Fry. Très fâcheuse. Hey, est-ce que vous croyez qu'on pourrait, disons, rattraper ça en ajoutant une ligne au registre de sortie? Faire un four, c'est bien ce que tu veux dire. Oui. C'est sans problème. Oh. Et vous auriez pas plus petit? À moins que je le coupe en deux. Il y a le téléphone ici? Là. Eh, monsieur. Vous voulez une couverture pour passer la nuit? Combien est-ce qu'on met là-dedans? Ça, tenez. Ouais, monsieur. J'écoute. Salut, je voudrais parler à Dempsey. Il n'est pas là, qui est-ce? Disons que c'est une surprise. Il sera là quand? Sûrement trop tôt pour moi, et d'après ce que je crois comprendre, trop tard pour vous. Eh, on a le sens de l'humour. Et vous avez une fort jolie voix. Vous trouvez? Oui, ce chanteur de rue. Je suis son supérieur, mademoiselle. Oh, pardon. Eh bien, disons d'opéra. Est-ce que je peux lui laisser un message? Je vous écoute. Dites-lui que j'ai retrouvé sa trace. Qu'il peut fuir, mais pas se cacher. Et j'ajoute quoi comme signature? Ajoutez que c'est de la part de Simone. S-I-M-O-N-E, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon prénom devrait lui suffire. Où sont passés Dempsey et sa complice? Ils sont invités à une soirée. Ils sont sur une piste. Chanteur de rue. Si j'ai bien compris, c'est Carmilla qui vous a donné mon téléphone. Oui, c'est une amie de collège. De toute façon, j'avais très envie de vous rencontrer. On m'a tant parlé de vous. Edith, est-ce que vous pourriez m'en vendre un peu? Un peu de quoi? Vous le savez. Ah non, je ne vois pas, non. Un peu de poudre, voyons. On a tant de mal aujourd'hui, et surtout question qualité. Ah, vous êtes donc une amie de Carmilla? Oui. On était dans le même dortoir au collège, où on se relevait la nuit pour faire la dinette avec du lait condensé et des boîtes de sardines. Je la connais bien, là. Si on en revenait à ce que je vous disais... Non, vous devez vous tromper, mon brave. Le buffet est là-haut. Et... Oh, ne vous inquiétez pas, Damien. C'est James, il est avec moi. Oui, je lui sers de chaperon. Ah. Bon, eh bien, combien voulez-vous? Combien est-ce que vous en avez? Oh, il m'en reste une once. Même un peu moins. Ah bon, prends tout. Il faut que j'en garde un petit peu pour les autres. Ben, on vous le prend au prix fort. Eh bien, le prix fort au gramme, c'est de 100 livres. Ah, ce prix-là, c'est sûrement de la bonne. Ah oui, comme vous dites, on appelle ça de la pure. On peut voir de près? Allez-y. Ah oui, elle est belle. Oh, ah oui. Ah oui, ça y a pas à dire. Vous en voulez? C'est moi qui vous l'offre. C'est le patron qui va nous féliciter d'avoir mis le doigt sur vos petites activités. Et les hebdomadaires à scandale vont se régaler. À moins qu'on ne s'arrange. Ce qu'on veut surtout, c'est des gros bonnets. Vous fournissez chez quel grossiste? Chez un type qui s'appelle Ronald. Vous le joignez comment? Il dirige une compagnie de messagerie postale. Eh bien. Vous lui transmettrez le message que je vais vous dicter, compris, mon brave. Allez, une coupe de champagne en attendant. Mais très volontiers. Alors, je
présume qu'il y a un arrangement possible. Non. J'ai pas les épaules assez larges, monsieur Cortés. J'ai une entreprise très modeste. Je fais à peine 1 kilo par mois. Beaucoup de vos collègues ont donné leur accord. Un refus de votre part serait considéré par nous comme une offense grave. Non, vous auriez tort. Il se trouve que la police anglaise... La police anglaise est comme toutes les autres polices. Et nous savons les manipuler. Écoutez, si vous ne voulez pas de notre produit, vous pourriez laisser votre peau. Ce type sait aussi choisir son champagne. Il provient d'un excellent cru. Le champagne, voulais-je dire. Ah. Je crois que je vais passer une bonne nuit. Ça m'étonnerait pas. Oh. Non. Sergent Winfield, Dick Peckpiss et Simone. Enchanté. Enchanté. Pourquoi n'as-tu pas écrit? Rien de neuf à la brigade des stupéfiants? Non, des Ronald, il y en a des tas. Attendez une minute, j'ai une compagnie de messagerie avec un Ronald Tulley comme directeur. On a aussi un dossier sur lui. Ronald Tulley, 32 Albion Street. Hey, viens voir. Oui. Oh. Ah, t'étais plus adroit autrefois. Dis donc, j'étais aussi un peu plus jeune. Hey, t'as toujours eu 10 ans d'âge mental. Ouais. Et toi, t'as toujours fait plus vieille que ton âge. Merci. Voyou. Tu m'as manqué. Oh. Il va toujours en boîte, là-bas? Non, j'en ai plus envie. Personne ne sait comme toi marcher sur les pieds. Je t'ai bien manqué, hein? Oui. Mais je le savais. Je me disais... Dempsey a besoin de toi. Il a encore sûrement ce trou dans la tête. Un jus de fruits? Il faut que j'aille au boulot. Je suis en retard. Non, laisse tout ça, j'ai quelqu'un. Tu as toujours eu quelqu'un. Et une femme. Est-ce que je la connais? Non, une femme que je paye. C'est... Pour faire le ménage. Oh. Attends. Écoute, Simone, si tu profitais de ta journée pour visiter Londres, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai une enquête en cours. Et... Alors, ce soir, hein? Si t'as besoin de quelque chose, il y a tout dans le quartier. Amuse-toi bien avec ta collègue.
C'est ça. Raflez-moi dans 5 minutes. Et alors, Fry, qu'est-ce qui t'arrive encore? Bonjour. Bonjour. Ronald Tulley. Ben, c'est notre client. Bravo, beau travail. Est-ce que vous venez, oui ou non? Alors, comment se fait-il qu'elle vous ait trouvé alors que vos anciens collègues de New York ignorent où vous êtes? Eh ben, elle a employé le procédé le plus simple. Elle a téléphoné à ma mère. Il peut faire erreur. Là, je l'aurais parlé. On peut se joindre à vous? J'ai terminé, j'allais partir. Ce sera pas long. À votre aise, mais faites vite. Je suis très pressé. On veut des renseignements sur les Colombiens. Dans 2 ou 3 semaines, vous passez devant le tribunal. Alors, la question est simple. Les noms des types et on vous arrange le coup. La réponse est simple. Non. Vous savez qui ils sont, avouez-le. Je suis neutre. C'est votre problème. Et je vais vous dire une bonne chose. Vous pouvez être sûr que s'ils veulent conquérir le marché, c'est à vous que ça va poser un problème. Je n'aime pas sa tête. Oui, j'ai envie de la lui refaire à la première occasion. Faites mine de rien et souriez. Quoi? Je dis faites mine de rien et souriez. La Ford grise derrière. Derrière, à ma gauche. Alors si on lui mettait la main dessus... Non, il vaut mieux le filer. C'est plus sûr. Non, mais on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce qui se passera si on est brûlé? Et si on perd du temps et qu'on soit quand même brûlé? Ok, alors allons-y. Amigo. Ansonal. Tu vas me répondre, amigo, ou alors ça va être ta fête. Je n'ai pas réussi à forcer la barrière du langage. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Il a plus peur de Cortés que de vous. Oui, sans doute. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas couru ici, les messes basses, ça ne se fait pas. Simone... D'où est-ce que vous venez? Vous n'allez pas entrer dans ce bar dans une tenue pareille? Quel bar? Le bar que j'ai repéré pas loin. J'ai téléphoné pour réserver des tabourets. Alors, désolé, mais on attend un coup de fil. Vous, vous attendez un coup de fil. Et moi, je devais sortir ce soir. Vous vous êtes bien amusés, tous les deux, toute la journée, hein? Et moi, j'ai rien fait d'intéressant depuis que j'ai quitté New York. On est en plein milieu d'une opération. Écoute, si on ne sort pas ce soir, je vais te faire un mauvais sort. Écoutez, je pourrais aussi bien attendre ici avec le radiotéléphone et je vous appellerai. Non, pas question que vous restiez si vous venez avec nous. Vous n'avez qu'à l'emporter avec vous si vous y tenez. En attendant, vous allez vous changer. J'ai tout ce qu'il faut en double dans mes bagages. Je crois que ça ira. Et toi, tu prends une douche. Vous êtes sûr que ça me va? À ravir. Et moi qui vous ai rien offert? Je n'ai pas soif. Vous êtes sûr? C'est son alcool préféré. Ça vous va très bien. Ah, je suis loin d'avoir autant de chic que vous. Sanctum Sanctorum. Pardon. Vous n'étiez encore jamais venu ici, hein? Qui vous a raconté sur moi?
Bien que vous avez connu des moments agréables. C'est vrai, on en a eu. Quoi d'autre? Pas grand-chose. Il est visiblement très épris de vous. Oh, très épris de moi. Comme vous avez dit cela. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, je le crois épris de vous. Je peux savoir ce qui vous fait croire ça? Une femme voit tout de suite ces choses-là. Surtout les femmes comme moi. Il a beaucoup de sympathie pour vous. Vous croyez? J'en suis sûre. Alors, qu'est-ce que vous fichez? C'est déjà énervant d'attendre après une femme, mais alors deux, c'est impossible. J'ai vu ce gaillard, hein. Stopper le trafic en belle nuit à 3h du matin à Broadway et vérifier les identités au milieu de la chaussée. Je dois venir recevoir un appel radio. Et c'est pas tout, attendez. Je l'ai vu faire à 800 mètres, toujours en service, pour arrêter un voleur à l'arraché. Et me laisser planter là pour se mêler à des bagarres d'ivrognes qui nous regardaient pas. Il est policier dans l'âme. Monsieur le gardien de l'ordre. Simone, tu vois pas que tu l'ennuies? Je trouve ça très passionnant. Oui, il est arrivé à l'âge où il doit devenir sérieux. Dempsey, tu devrais te ranger. Tenez, je vous verrai bien ensemble, tous les deux. Je vois ça d'ici. Une petite maison de banlieue, avec un petit jardin, une pelouse. Il flopait de gosse. Oh, oups. Hey, apportez-moi un autre. Un double et trichez pas, hein. On ferait mieux de... Simone. Eh bien quoi, vous êtes payé pour quoi faire? Simone. Tu pourrais pas y mettre une sourdine? Non, j'en ai pas du tout envie. Vous savez, chérie, cette blouse vous va ravir. Vous devriez la garder. Faites-moi plaisir, acceptez-la. Simone, je ne peux pas. Merci. Il faut que je passe un coup de fil. Un coup de fil où ça? Bureau. Pour le travail. Tu ne l'appelleras plus. Ah, tu l'es! C'est qui ça, tu l'es? Sortez tous les deux, il n'y a pas si longtemps. Il y en avait toujours un pour amener l'autre. Toi, t'as arrêté, moi j'ai continué. Boire en compagnie, c'est prendre du bon temps. Boire tout seul, c'est être sous l'arne. Il n'est pas une sous l'arne. Non. Non, je sais, dans certains cas, on emploie d'autres termes. On dit par exemple qu'on est des malades. Alcooliques. Écoute, ça suffit comme ça. Je vais te ramener et demain, ça ira mieux. La soirée ne fait que commencer. Tu peux rentrer tout seul, mais moi, je continue.
Alors, si tu l'as, il vient ou il vient pas? Eh, donne-moi le numéro, je vais l'appeler, moi. Ah, quelle soirée! Tiens, ça me rappelle la fois où on ne pouvait plus marcher, qu'on avait dormi sur le billard. Si tu nous servais un petit porto, je crois qu'il en reste. Ah, dis donc, c'est bien trop mou, c'est pas habillé. Oh, attention! Aidez-moi à la relever. Y a qu'à la laisser là. Comment, la laisser là? Ça veut dire quoi, la laisser là? C'est la meilleure place pour une poivrotte. Oh, est-ce qu'on peut être plus cynique? C'est vous qui l'avez poussé à boire. Je l'ai poussé à boire. Est-ce qu'on pousse un ours à manger du miel et un rat du fromage? Qui est-ce que je vais la relever toute seule. Oh, mais c'est elle qui vous l'a dit? Elle n'a pas besoin de me le dire. Ça se voit tout de suite que vous lui avez mené une vie infernale. C'est plutôt à moi qu'elle a mené la vie dure, figurez-vous. Je voudrais bien voir votre tête si en rentrant chez vous, vous trouviez vos vêtements sur le trottoir jetés par la fenêtre du 25e étage. Hein, et c'est moi qui passais des nuits entières par terre sur la moquette à cause de cette poivrotte. Oh, il est pas si méchant que ça au fond. C'est seulement qu'il est pas le genre démonstratif. Qu'est-ce qu'il veut bien voir là-dedans? Il l'avait caché, mais je l'ai trouvé. Trouvé quoi? Simone! Ah! Donne-moi ça. Non, c'est à moi! Donne-moi ça, tu entends? Mmh, Simone, non, donne-moi c'est ça! C'est à moi, je le d'arriver. Je voulais t'emmener ce week-end voir Big Ben, tu connais, et puis l'abbaye de Westminster et le palais de Buckingham. Voilà, devenu un vrai londonien. Ah oui, eh oui, je roule à gauche et tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? J'ai pas de problème ici. T'as pas de problème ici. Ni d'amour, hein? Oh, je t'en prie, écoute. Moi, je t'aimais. Mais je t'ai aimé aussi, mais ne revenons pas là-dessus. Je te connais, tu sais. Tu avais du cœur. Combien de fois je t'ai vu revenir le soir après ton travail? Tu ne disais rien, comme si tu voulais oublier tout ce que tu avais vu. Tu n'as pas changé, sauf que tu caches mieux tes sentiments. Faut jamais se laisser amollir dans ce fichu métier. Un bon flic a le cœur sec et les pieds plats. Vraiment, tu crois ça? Bon, et maintenant, tu vas me foutre la paix. Si tu as fait le voyage par besoin de tendresse, je te préviens, tu t'es trompé d'adresse. Je suis pas un consolateur, je suis un flic. Elle. C'est le boulot. Il faut que j'y aille. Ça peut être plus de m'installer. Tu ne savais pas ça? Oh. Hé, hey, le chef veut vous voir. Il est là depuis 4 heures ce matin. Vous aussi, Ariel. Alors, c'est la mobilisation générale? Eh ben ouais. Parfait. Ah, voilà. Inutile, je crois, de faire les présentations. Oui, c'est inutile. Bonjour. Monsieur Tullet a des remords de conscience. Il a décidé de nous aider. Nous avons organisé une conférence avec nos amis sud-américains. Oh, pour quand? Pour tantôt. Il passe prendre Monsieur Tullet devant son quartier général à 3 heures. Nous les suivons. Nous nous prémunissons contre toute surprise par un groupe d'intervention armée, et si nous les prenons sur le fait, il sera peut-être inutile de déclencher le feu d'artifice. Et c'est moi qui vais personnellement diriger toute l'opération. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Votre mission consiste à protéger Monsieur Tullet, que voilà. En cas de complications imprévues. Bon. Tout le monde se retrouve chez lui à 2 heures. Lieutenant, faites vérifier votre radio. Il ne faudra pas évoquer cette fois-ci des problèmes d'interférence. Vous m'avez compris? 5 sur 5. Vous feriez peut-être mieux de rester sur la touche. Enfin, je veux dire que le coup est très risqué. Dempsey, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes soudain très prévenu. Vous avez assez de munitions? Oui.
Vous savez, je trouve Simone très gentille. Ah oui? Oui. Elle aboie plus qu'elle ne mord. Elle a peut-être une dent contre vous. Oui, c'est possible. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Non. Non, pourquoi? Elle vous a dit quelque chose à vous? Non. Ici Charlie 5, ils viennent de démarrer en direction... En direction nord, en direction de Elephants... Elephant Castle. C'est ça, Elephants Castle. Terminé. Bien que ce ne soit pas nécessaire, je vais vous le redire quand même. On n'aura pas affaire à des enfants de cœur. Et ils n'ont rien de commun avec nos clients habituels. Ne l'oubliez pas. Charlie 5, ils viennent d'entrer dans un dépôt situé sur les quais. Société de transit G et B. Vous êtes prêts? Affirmative, Charlie 5. Et voilà. On va y aller. Et au train où ça va, on va rentrer à l'heure pour le thé. J'espère que vous avez fait bon voyage. C'est pour moi. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous ferez du reste ? Tout se passe bien. Nous avons une brigade d'intervention au complet. Les entrepôts sont vastes, 3000 mètres carrés. Entrée principale sur Bartholomew Road. Possibilité d'accès par derrière. À toutes les unités, soyez prêts. On arrive, chef. Parfait. Alfredo, il y a des flics là dehors. Quoi? Là, devant la grille. Des flics! La police, prévenez tout le monde, gardez toutes les issues! Et sauvez la marchandise plus vite! Plus vite que ça! Dépêchez-vous! Et tirez à la vue! Enfoncez le grillage! Où est Cortez? Là-bas, il arrive. Il faut essayer de sortir par derrière. La clé de contact, vite! Thank you.
Tullet. Elle nous dira au revoir. Faire un séjour à New York. Je ne veux pas rester ici pour l'éternité. Prends soin de toi, quand